une femme. Coupant les doigts. Faisant des erreurs. Lentement, elle transforme le verre dans ses mains en image. Sa seule amie, c'est le reflet de son image. Voilà Iris. Son travail. Policier urbain. Elle se tient tranquille toute la journée. Comme un tas de pierres. La nuit, retournant chez elle, elle réfléchit une ville où elle n'en participe pas. Iris n'est pas une artiste, mais elle a du talent pour trouver et créer des objets de sa vie quotidienne. Une collection de rayons de soleil, des miroirs avec des gravures, des lunettes, masques de photos épiques. Un port en papier. Un lama de multimédia. Et une montagne de cire. Peut-être c'est un passe-temps. Ou peut-être elle remplit sa vie avec lumière. Pour s'évader, qu'elle ne vit pas dans le noir. Deux mains qui ont saisi les perversités de la vie, mais qui n'en ont rien gardé. Un dompteur de lion. Un ostréiculteur, un coureur de fortune, un jardinier, détective privé, nettoyeur de piscine, producteur de jus de cactus, maire. Voilà, Bernard. Jamais visité le désert, mais sa vie le ressemble. Il a fait beaucoup de choses, mais il n'a jamais laissé les choses faire beaucoup pour lui.
traînait. Chasse en chatte. Ses chaussures sauront toujours le trahir. C'est pourquoi il a fait sa propre paire de poussière de désespoir. Depuis, il se déplace à la vitesse de la lumière. Chaque fois qu'il se déshabille, un autre mot se forme. Depuis des années, il était court. Mais maintenant, c'est autre chose. S'il est triste, il court. Sa tristesse, assez grande pour couvrir une montagne. Il avait besoin de poids au lieu de la pesanteur. Mais à la fin, aucune masse physique ne pourra jamais rivaliser avec le poids d'une émotion sincère. Un port en papier, un lama de multimédia, une montagne de cire et un homme bleu.